La Cour constitutionnelle centrafricaine proclamera le 19 janvier les résultats définitifs de l'élection présidentielle et le 28 janvier ceux des élections législatives. Les résultats provisoires seront annoncés demain par l'autorité nationale des élections. Jeudi, le parti du président centrafricain sortant annoncé que Faustin Archange Touadéra est en passe d'être réélu. Écoutez l'analyse de Jean-Claude Félix Tshikaya au sujet de ces élections centrafricaines. Il est chercheur à l'IPCE. CE, spécialiste de l'Afrique. Il y a un sentiment de confusion et de haute tension sur ces élections qui étaient à haut risque. Ce que dit le président Touadéra sur des annonces un petit peu de victoire, un peu prématurées, mais ça c'est le lot de la vie politique mondiale. La RCA n'en échappe pas. Je crois qu'il faut vraiment mettre en exergue une victoire de la société civile qui, en grand nombre, est allée, comme elle pouvait, est allée voter. Il y a eu, c'est vrai, des incidents, il y a eu une insuffisance de bureaux ouverts, mais c'est dû aux milices armées aussi. Donc, ce qui est incontournable et qui ne pourra pas être dépassé et contourné, c'est cette soif et cette faim des Africains d'exprimer leurs vœux politiques d'un côté ou de l'autre, et que les alternances soient possibles, que les alternatives soient possibles. Si tu perds cette fois-ci, eh ben, représente-toi. Les citoyens africains veulent un combat de projet politique plutôt qu'un combat armé.